Cette histoire pleine de vie maintenant. Hier soir, le conseil municipal de Châtillon-sur-Loire a pu célébrer le retour de son maire. Des retrouvailles pleines d'émotions. L'édile, réélu dès le premier tour le 15 mars dernier, ensuite était durement touché par le Covid-19. Il est resté plus d'un mois en réanimation. Un témoignage poignant recueilli par Hugo Capelli et Loïc Wex. Des applaudissements pour le maire. Il a vaincu le Covid-19. Emmanuel Rat, 71 ans, réélu au premier tour des municipales, vient de passer 19 jours dans le coma et 40 en réanimation. J'ai mené une lutte acharnée contre ce satané virus. Ses conseillers savourent le retour de Titi, comme ils l'appellent affectueusement. Un moment avec beaucoup d'émotion, parce que ce n'était pas tout à fait automatique que le conseil municipal puisse se réunir au grand complet. Écoutez, je suis très très contente de le revoir. J'avoue que je le connais depuis très très longtemps. Ça m'aurait fait beaucoup de mal de ne pas le revoir. Au bout de cette table, le premier adjoint. Lui aussi a été contaminé par le virus. Quelques heures plus tôt, le maire et lui se revoient pour la première fois. Ah, je vais te faire la collade, nous on craint plus rien, mon titi. Pas de geste barrière pour ces anciens malades. Voilà, nous on est immunisés. Dans le département du Loiret peu touché par le virus, ils font partie des cas les plus graves. On est passé près de la mort quand même. Hein. On s'en est pas trop rendu compte au début parce que on était dans le coma, mais c'était pile ou face, hein, où on y restait ou voilà. Hein. Entre eux, rien n'a changé. Ils ont certes perdu quelques kilos, mais pas leur sens de l'humour. Tu les as perdus au ventre, toi. Ah oui, j'ai fondu en fait. Hein. Et voilà, donc il faut refaire tout ma garde-robe. Et pour les élections, on avait acheté un costume, j'étais bien dedans, mais c'est mort. Il est foutu. Les retrouvailles avec ses administrés dans les rues de la commune qu'il dirige depuis 1995 sont très chaleureuses. Voilà. Tout va bien. Bah, tant mieux. Je suis ressuscité. Oh, c'est génial. On s'est inquiété tous les jours pour toi. Tous les jours. Et tu diras que je suis pas mort. Hein. Tu feras la bise à ma belle-sœur. Emmanuel Rat a tenu grâce à son engagement politique. Mon mandat de maire, je l'avais toujours dans la tête. Et c'est ça qui me... Parce que j'avais toujours, il faut qu'on vote le budget, les travaux, il faut qu'ils recommencent. J'étais sur mon lit avec les perfusions, mais j'avais ça dans la tête. Entouré de ses proches, Emmanuel Rat a retrouvé son écharpe de maire. Il peut désormais se tourner vers l'avenir avec son équipe après 2 mois d'incertitude, dans une ambiance de travail, mais un peu plus festive qu'avant. Et maintenant, à mercredi prochain, tout le monde au travail, réunion de travail. On rigole plus après, hein. C'est terminé. Vous aurez peut-être un petit verre à boire.